Bonjour à tous. Nous voici aujourd'hui pour embellir une photo de mariage. Du moins, de créer un petit effet afin de la rendre plus artistique. Parfois, dans un reportage de mariage, une photo prise sur le vif, un moment inattendu, peut devenir, en 2-3 petits effets, une véritable photo captivante. Bien entendu, nous ne faisons pas l'apologie du montage, à tout prix. Mais parfois, un ou deux clichés retravaillés peut être bien sympa. Alors commençons à dupliquer le calque. Commande J sur Mac, Ctrl J sous Windows. Ensuite, nous allons recadrer cette photo. Pour cela, commande T pour transformer. Dupliquez à nouveau le calque et basculez-le en noir et blanc. La base est prête, c'est le moment de créer nos rayons. Cliquez sur Calque, puis Nouveau calque de remplissage, puis Dégradé. Basculez le calque sur Superposition, puis OK. Cliquez sur Style et choisissez l'angle. Cliquez ensuite sur Dégradé et dans Type de dégradé, choisissez Bruit. Toutes mes excuses, mais la fenêtre étant coupée, vous ne verrez pas le petit bouton qu'il y a à ma droite. Ce bouton est nommé aléatoire. Lorsque vous cliquez dessus, il va donner au hasard le positionnement des rayons. Je vais donc appuyer une série de fois dessus pour essayer de trouver la dispersion des rayons qui me plaît. Le choix fait, j'ajuste la hauteur et je valide. Il ne manque plus qu'à les faire basculer en noir et blanc et de fusionner le calque noir et blanc et les rayons. N'oubliez pas qu'après cette opération, il faut refaire basculer ce calque en superposition. Pour donner de la douceur aux rayons, nous allons sur Filtre, Flou et Flou gaussien. Ajustez ensuite en fonction du résultat qui vous convient. Voilà, pour ma part, ça me convient parfaitement. Nous allons cliquer sur Masque de fusion, car grâce à lui, nous allons dégager le surplus de rayons dans le dos de la mariée afin d'augmenter le réalisme. Choisissez une taille de pinceau, modifiez un peu l'opacité, et c'est parti, nous gommons tout l'excédent. Ensuite, augmentez la clarté pour donner plus de force aux rayons. Augmentez également les noirs et baissez un petit peu les blancs. Ajoutons un peu de vignettage afin de mieux faire ressortir ces rayons. À présent, c'est terminé. En espérant que ce petit tuto vous sera utile. Sur ce, je vous dis à bientôt !